Salut à tous et à toutes, c'est Gothix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un petit débat. Un débat qui va me permettre de vous parler des anciens Call of Duty. Donc aujourd'hui j'ai parlé de pourquoi les gens reviennent sur les anciens Call of Duty. Pourquoi tant de retours sur par exemple Black Ops ou MW3 ou MW2, voire même Code 4. Personnellement moi je prends plus de plaisir, c'est triste à dire, mais je prends plus de plaisir à jouer à MW3 en ce moment même, donc je suis en live, donc je suis en live commentary. Je prends plus de plaisir à jouer à MW3 qu'à jouer à Black Ops 2, parce qu'à Black Ops 2, maintenant, j'ai plus le niveau que j'avais avant, déjà, de 1. Et puis, je rage trop sur ce jeu, j'aime pas rager. Et du coup, je préfère aller sur MW3, où je rage pratiquement jamais, sauf que quand sauf si je mets un trickshot hitmarker, là, c'est sûr que j'ai ragé. Mais, si je fais du 15-30, j'ai pas ragé, par exemple. Alors que sur Black Ops 2, je fais du 15-30, je fais du 15-20, je rage comme un porc, parce que c'est pas dans mes habitudes de faire du 15-20. D'habitude, c'est plus dans mes habitudes de faire, je sais pas, du 30-10, des choses comme ça. Mais, ou 35, c'est plus des choses comme ça. Mais maintenant, j'arrive plus, j'ai plus le niveau que j'avais avant. Du coup, je préfère retourner sur les anciens Call of Duty. Je vais prendre, par exemple, un ami qui est fan de zombies sur Black Ops 2. Il a beaucoup moins aimé les zombies, même s'il y a joué pas mal. Mais après avoir joué aux zombies de Black Ops 2, maintenant, il ne supporte plus ce jeu. Et maintenant, il retourne sur Black Ops pour faire les bons vieux zombies, par exemple. Où il fait 40 manches sur Moon et sur Ascension, des choses comme ça. Mais voilà. Oh là, je commence bien. Two piece. Je galère quand même pas. Voilà. Donc je suis vraiment en live commentary. Donc voilà. C'est pour ça que des fois il y aura des petits blancs où je me concentrerai pour essayer de tuer ces petits kékés là. Alors voilà. Là, je me concentre par exemple parce que je suis à un kill d'avoir mon Predator. Hop. Voilà, j'ai mon Preda. Oh, j'ai fait la double. Comment ça, j'ai fait une double? Ah oh, bah, j'ai pas capté. Voilà, vous voyez que je prends beaucoup plus de plaisir à revenir sur les anciens Call of Duty que d'aller sur les nouveaux, tout simplement, parce que ça me gave un petit peu. Les nouveaux Call of Duty me gavent un petit peu. Et je pense que Ghost, franchement, c'est pas contre le jeu, mais il m'a pas autant intéressé que par Modern Warfare 3 ou Black Ops 2. Bon, Black Ops 2, c'est celui que j'ai le plus attendu. Parce que je commençais réellement à jouer à Call of Duty, quoi. Et c'est celui que j'ai attendu le plus. Après, mon jeu préféré sur les Call of Duty, ça restera quand même Call of Duty... Call of Duty 4, excusez-moi. Modern Warfare. Il est vraiment épique, ce jeu. C'est un truc de fou. Ah, je viens de débloquer mon Reaper. Ben voilà, regardez l'exemple parfait. Là, je prends un plaisir fou à jouer, surtout quand j'ai des bonnes parties comme ça sur MW3. C'est vraiment un plaisir fou sur MW3 à jouer quand on y arrive et tout ça. Alors que pas mal de gens s'en étaient plein. Moi, personnellement, je m'en suis pas trop plein. Au début, c'est sûr qu'il est pas super bien. Mais voilà, après, on fait avec, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On fait avec. Alors là, je vais essayer de faire plein de kills avec le Reaper, ce serait bien, ce serait cool. C'est cool de faire plein de petits kills comme ça et tout. Oh, allez, il va pas me tuer mon Reaper, allez, je te le garantis. Je vous le garantis, les amis. Il va rien me faire du tout, celui-là, parce que là, j'ai ragé. Non, je rigole, j'ai pas ragé en live. Ah oui, nickel. Donc 12-0, ça commence plutôt pas mal. Pour un live commentary, c'est plutôt bien. Je l'ai pas eu? Voilà, je l'ai eu. Ah non, mince, c'est un Stinger. Lui, il devrait avoir... Oh, je suis mort! Bon, c'est pas grave, 13-1. Donc pour un live commentary, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je continue mon sujet. Donc, voilà. Franchement, après, les nouveaux Call of Duty, ils vont moins se vendre. Hein. C'est pas contre eux, j'ai rien contre Call of Duty, la preuve, j'en fais beaucoup sur ma chaîne. C'est ce qu'il y a le plus souvent. Ce que je veux dire, c'est que ils vont moins se vendre parce qu'à force d'innover, je pense que les gens perdent un petit peu
Je sais pas comment dire. Ils aiment moins Call of Duty, voilà. Ils aiment moins Call of Duty à force d'y jouer et tout ça. Ça saoule un peu. Tout saoule. Par exemple, il y a une période où j'étais à fond. Mais quand je dis à fond, c'est à fond. Sur Minecraft. Ben maintenant, je suis beaucoup moins. Mais j'aime toujours. Par exemple, je joue sur des serveurs. Maintenant, je joue plus tout seul. Hein. Maintenant, c'est fini. Je joue que en serveur RP ou je fais des maps aventure. Mais avant, mon truc préféré, c'était vraiment le survival. Je kiffais faire ça. Je kiffais tenir le maximum de temps et tout ça. Après, le survival à 2 ou à 3, ça me dérange pas, franchement. Mais ce qui est tout seul, c'est vraiment nul. Je m'ennuie, franchement, tout seul, je m'ennuie sur Minecraft. C'est. À la base, c'est un jeu solo, mais je m'ennuie quand même. C'est dommage de dire ça, mais. Après, on découvre encore de nouveaux jeux, on découvre de nouvelles créations et tout ça. Donc, du coup, on apprécie plus d'autres jeux. Je parle de Call of Duty, mais c'est pareil pour tous les autres jeux. Hein. Sur tous les autres jeux que vous pourrez trouver, les gens partiront au bout d'un moment. Parce qu'ils en ont marre, tout simplement. Et. Ils en ont marre de ce jeu et ils supportent plus de jouer à ce jeu. Et c'est à partir du moment où on commence à rager que ça devient inquiétant, quoi. Parce que on rage pour un jeu, quoi. Ça, faut se mettre ça dans la tête. C'est un jeu et on commence à péter un plomb juste pour ce jeu-là. Donc ça devient un petit peu grave. Donc c'est pour ça que dès qu'on commence à rager, il faut commencer à se poser des questions. Et moi, perso, je me suis remis en cause plusieurs fois. Je me suis dit, pourquoi tu rages autant alors qu'au début, tu rageais pas du tout. Au contraire, tu prenais un maximum de plaisir à jouer. Maintenant, je prends plus de plaisir à jouer sur les anciens Call of Duty. Alors, sur les nouveaux, pardon. C'est pour ça que je retourne sur les anciens. Et je prends largement plus de plaisir à jouer sur les anciens que sur les nouveaux. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai été assez clair, je pense. Bon, on va finir cette partie assez rapidement. Parce que. Hop, il est encore vivant. Non, il est plus vivant. Plus vivant. Voilà. Donc, on va essayer de finir cette partie assez rapidement. Donc, voilà, moi, j'ai entamé. Mon sujet qui me tenait particulièrement à cœur, parce que voilà. Donc je vous rassure, il y a d'autres jeux qui vont arriver sur ma chaîne, toujours du Call of Duty. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas énormément de Black Ops 2. Bon, il y a 2-3 gameplays qui vont arriver très rapidement. Que je vais essayer de rec même aujourd'hui, pourquoi pas. Et petit bug, donc voilà. 21-5 pour cette petite MME avec deux Predators et même un Reaper et un hélicoptère à la clé. Donc c'était plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ce débat vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux 116 abonnés qui sont sur ma chaîne. Continuez à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était Gotix. Allez, ciao tout le monde!